Eh bien voilà, Nordal, le landais. Ben moi aussi je suis écœurée, hein. Je suis pas la petite, je suis pas la maman de la petite Maëlys, hein. Mais je suis écœurée de savoir que cet homme, certes il est en prison, mais il est nourri, logé, et en plus il peut coucher avec une femme et tout. Tranquille, il peut avoir des rapports, tranquille, il peut avoir faire sa vie avec quelqu'un d'autre, quoi, en prison, se voir et tout. Mais je sais pas, mais ces femmes, elles ont des problèmes dans leur tête, hein. Elles ont, je sais pas, excuse-moi, moi ça me viendrait jamais à l'idée, mais vraiment, d'aller voir un prisonnier, me mettre avec lui, tomber amoureuse, faire un enfant, tout en sachant qu'il a agressé. C'est un agresseur, ce mec sexuel, et il a tué. Et il a tué, d'accord? C'est un meurtrier. Alors, vous savez, les gens qui disent n'importe quoi sur moi, excusez-moi, mais quand vous voyez ça, à côté, moi, je suis normale, hein, je peux vous dire que je suis totalement normale. C'est quoi ces femmes qui écrivent à des meurtriers et après aller les voir, tout ça? Non, mais franchement. Mais moi, je suis à 3000% pour la peine de mort, hein. Après, on dit qu'il n'y a pas de place en prison. Il n'y a pas suffisamment de place. Il faut leur mettre un bracelet électrique. Non, non, surtout pas la peine de mort. Mais vous nous emmerdez avec ça. Je dis ça pour toutes les associations et tous les gens là qui veulent pas la peine de mort. Vous croyez quoi? Que c'est normal ça? D'aller agresser sexuellement un enfant? Ou même quelqu'un, même un adulte, hein, je parle, et de le tuer? Ah, ben ça vous est pas arrivé à vous, hein, c'est ça. Ça vous est pas arrivé à vous, hein. Ah, il y en a qui même qui ont pardonné à l'agresseur de leur enfant. Ils ont pardonné. Ben c'est bien de pardonner. C'est bien, mais excuse-moi, il a tué ton enfant. Bon, tu as le droit de le pardonner. Mais moi, je te dis que je t'en ferai de la place dans la prison. Peine de mort. Tu peux pardonner si tu as envie de pardonner. Tu peux. Si tu veux pardonner, c'est ton choix, c'est ton cœur. C'est ton âme qui parle. Tu veux pardonner. Tu pardonnes à ton meurtrier qui a tué ton enfant. Mais par contre, le meurtrier, c'est peine de mort. C'est pas. Je suis nourrie, logée, blanchi, en prison, quoi. Je peux avoir Internet, la télé, tout ce que je veux. Eh ben, dis donc. Voilà. C'est vraiment à gerber, là. D'ailleurs, c'est marqué à gerber. Et ça, vraiment, là, à gerber, écœurant. Et là, par contre, il n'y a pas photo, quoi. Que tu sois une femme ou un homme et que tu es normaux dans ta tête, mais excuse-moi, mais tu trouves pas ça normal que ce criminel puisse aller coucher avec une femme ou deux ou trois différentes, faire un enfant, avoir une vie tranquille, peinarde. Ah oui, j'avais oublié aussi. C'est vrai que moi, je me suis arrêtée à Maïlys. Non, il y a eu aussi Arojo, c'est marqué, et Arthur Noyer. Oh, il a peut-être tué d'autres gens qu'on découvrira plus tard, hein, qu'on n'est pas encore au courant, hein. On verra ça plus tard, hein. Mais c'est vrai que moi, je me suis arrêtée sur la petite Maïlys, voilà. Maïlys, on en a tellement parlé, on en a. Et puis, c'est une petite, c'est un enfant, quoi. C'est
Voilà. Mais bon, je pense que ce criminel a peut-être tué encore d'autres personnes qu'on ne saura peut-être jamais, ou on sera jamais, ou ça sera dévoilé peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, on ne sait pas. Il y aura peut-être des choses qui sortiront. Voilà. Mais en tout cas, ouais, c'est écœurant, quoi. Allez, je vous dis à bientôt.